Je m'appelle Mathilde Andelsmann et je viens de Paris, mais je vis aux États-Unis et là actuellement je suis en Pennsylvanie durant cette période de confinement. Alors les pièces que vous allez entendre, ce sont des pièces qui me sont très chères. Il s'agit d'une sélection de préludes de Debussy, deux préludes, Des pas sur la neige et Le vent dans la plaine. Alors Des pas sur la neige, déjà c'est une pièce très minimaliste, très spéciale, qui aurait très bien pu être écrite aujourd'hui, mais il s'agit de 1909, et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est qu'il y a une atmosphère très très glaciale déjà, très hivernale. Il y a vraiment une belle description de ce climat très froid. Et en même temps, il y a une grande angoisse, une certaine inquiétude qui ressort de la pièce, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis Le vent dans la plaine, c'est ce qui est très frappant dans cette pièce, c'est qu'elle est très courte, moins de 2 minutes, à peine 2 minutes, et puis c'est comme un moment qui passe très très furtivement, un peu comme ces rafales de vent en montagne qui passent dans les herbes, dans les feuilles, dans les cheveux. Et puis ça passe, et puis c'est le silence. Et pour moi, cette pièce, c'est ça. Et puis, comme j'ai dit, ce sont des pièces qui me sont très chères, parce que j'ai grandi plus ou moins avec les préludes de Debussy. Je les ai toujours. On avait un disque à la maison de Maurizio Pollini, et je l'écoutais en boucle quand j'avais 7-8 ans. Et pour moi, jouer les préludes de Debussy, et Debussy de façon générale, c'est un peu comme rentrer à la maison. C'est un peu comme être chez moi, et donc c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup beaucoup jouer, et je suis très heureuse de la partager avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Mathilde Andelsmann et ceci c'est Porto Piano Fest. Thank you.
Thank you.